Coucou tout le monde, c'est Fred de Jamais sans mon aiguille. Ça vous dirait une petite pause avec moi? Pas longtemps? 20 minutes? 20 minutes, c'est quoi? C'est le temps d'une sieste? C'est le temps d'une pause café avec 2-3 pages à lire? Voilà, dans notre quotidien bien occupé. Alors, vous allez me dire, mais déjà de retour, oui. Oui, parce que j'ai envie de format un petit peu plus court. Alors, attention, Sophie ne me crie pas dessus. Non, 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 il y aura toujours des vidéos longues sur la chaîne, des aiguilles à papote, des floss tubes, etc. Le format vlog sur plusieurs jours, moi, me convient pas. En termes d'organisation, je veux dire, je suis plus vidéo instantanée, c'est-à-dire je tourne quelque chose, je vérifie et puis je mets en ligne direct. Je fais pas de montage, donc voilà, ça me demande pas des heures, outre les heures que Monsieur YouTube et Monsieur Internet veut bien m'accorder. Donc voilà, donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas des petits moments de pause comme ça, je sais pas encore comment je vais appeler ça, où je vous montre ce que j'ai fait en broderie, parce que quand même, hein, on parle de broderie, je vous parle de ma lecture en cours si j'en ai une, je vous parle de moi si ça vous saoule pas trop, et voilà. Et on passe un petit moment ensemble. Alors la fréquence de ces petites choses, bah, je ne sais pas, j'en sais rien. Mais ce que j'ai retenu de la sale période que je viens de traverser, c'est que j'ai peut-être eu un peu tort de m'isoler et de rester seule. Et voilà. Et donc, ça me fait plaisir de revenir vous voir. C'est moins fatigant pour moi de faire des vidéos courtes. Et puis voilà. Et puis, on est le 1er mai. Je n'ai pas de muguet dans mon jardin, mais je tenais à faire une petite vidéo pour symboliquement, virtuellement, vous donner un petit brin de muguet qui, selon la tradition, porte bonheur. Et du bonheur, on en a besoin. On en a besoin. Bon, alors je me suis fait un petit café dans une tasse bien printanière, avec des petites fleurs comme ça. Il est chaud. Je vais surtout essayer de ne pas en foutre partout, n'est-ce pas? Et puis, je vais vous montrer là ce sur quoi j'ai travaillé hier et avant-hier. Parce que j'ai bien avancé. J'ai bien avancé et je suis en train de tomber amoureuse des patrons, des créatrices de l'Est. Alors je regardais ça, enfin, je pense que c'était une évidence, hein, puisque je me suis extasiée pendant des heures devant la couronne de la forêt brodée par Sandrine, Julia et Sophie et tant d'autres. Par les modèles de Svetlana Chichkar, brodée par Angèle, des petits bonheurs d'Angèle, par les petites maisons de Maria Brovko, enfin voilà, il était sûr que si mon aiguille rencontrait une toile avec un de leurs patrons en toile de fond, j'étais perdue. Eh bien, je suis perdue. Alors, je vous montre. Alors, excusez-moi, hein, c'est. Hop. Voilà. Oh mince. Alors, le premier modèle sur lequel j'ai travaillé ce week-end, c'est le modèle qui m'a été offert par Julia de la chaîne Rose Cocon. Et c'est un patron de Svetlana Chichkar qu'elle m'a gentiment offert pour mon anniversaire en fin d'année. Easter Composition with a Bird. Et une petite merveille.
une petite merveille à broder. Et alors attendez, pause, hein. Qui dit pause dit rien n'est préparé, j'ai tout autour de moi, mais voilà, on est ensemble, on se détend. Non pas que c'était très préparé avant. Alors, idéalement, c'est ce que je vous disais dans le podcast d'avant-hier. J'aurais voulu la broder sur de la Murano. J'en avais pas en stock. J'avais une furieuse envie de le commencer, une urgence de le commencer, comme si ça m'appelait pour me sortir de ma mauvaise passe. Et j'ai envie aussi de rationaliser un petit peu ma consommation de... J'ai plein de choses dans mes placards. Et j'ai envie non pas que je ne craquerai plus, hein, c'est pas vrai ça. Personne n'y croira, et surtout pas moi. Mais en ce moment, j'ai envie plus d'utiliser ce qui est à portée de mes mains. Voilà. Donc... à défaut de Murano, j'ai pris de l'Aïda. Svetlana le proposait, hein, sur de l'Aïda 14-15. Voilà. Donc j'ai fait, voilà, l'Aïda blanche, et voilà. Est-ce que vous voyez ce détail déjà qui apparaît alors que le point arrière n'est même pas fait? C'est quand même un truc de malade. Hein? Et ce détail apparaît mieux de loin d'ailleurs que de près, grâce au mélange de couleurs, aux couleurs similaires. Il y a peut-être 14 couleurs là-dedans, hein, dans juste ça. Couleurs similaires, des variations de teintes, des mélanges, et évidemment ça sera sublimé par le point arrière. Je suis très très contente d'avoir commencé ce patron. Julia, je ne t'en remercierai jamais assez. Moi, j'utilise pas le pattern. Ah, pattern keeper, hein, je vous l'ai dit. Je suis de la team coloriage. voilà, les patrons sont hyper clairs. Les symboles, on ne peut pas se tromper. Alors, il faut être attentif, hein, parce qu'il y a des mélanges de couleurs. Et les couleurs sont tellement similaires, parfois, des nuances, des dégradés de marron, etc. On a vite fait de se tromper d'une couleur à l'autre. Hein. Il faut être organisé. Et ça aussi, vous voyez, moi qui ai perdu un peu pied, ça m'aide, ça. Enfin, la broderie m'aide sur beaucoup de choses. Ça m'aide à me concentrer, à me figer sur un truc, à pas faire 40 choses en même temps. Voilà. Donc, voilà. Point de croix, demi-point de croix et point arrière. Alors, pour le moment, j'ai fait que du point de croix. Le demi-point de croix, je n'ai pas encore commencé. Et je vais peut-être prendre une option différente. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Alors, tout de suite pourquoi? Parce que, après avoir posé hier matin cette petite merveille, j'ai embrayé sur autre chose et j'ai embrayé sur le cadeau que m'a fait Sophie de la chaîne Sophie Passionnément. Donc, hop! Elle m'a dégoté une plume à papote de la créatrice Maria Brovko, connue pour ses petites maisons, mais surtout pour son amour du point arrière. Et là, je vais être servie. Alors, elle, ce qui va dessiner et nuancer cette toile, c'est pas la profusion de couleurs. Ça va être vraiment le point arrière. Dans son patron, donc toujours sur papier, on a du point de croix, du demi-point de croix et du point arrière. Et
Je commençais parce que le demi-point de croix, il y en a beaucoup, et au milieu de la toile. Et je commençais et le demi-point de croix ne me plaisait pas. Donc, j'ai fait le choix de remplacer le demi-point de croix par du point de croix, mais à un brin. Oui, parce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, Aïda 14 count, je la brode en deux fils à l'aiguille sur un point. Pareil pour la plume à papote de Maria Brovko. Je la brode en deux fils à l'aiguille sur un point d'Aïda. Et alors donc la demi-croix, l'effet me plaisait pas. Vous savez, hein, on en avait parlé souvent, l'idée de prendre, de faire des croix, des demi-croix, etc., c'est pour créer un petit peu un effet de perspective. Mais là, ça ne me plaisait pas. Et donc, j'ai remplacé les demi-croix par des croix complètes, mais faites en un fil. Ce qui fait qu'elle, la couleur est légèrement est moins soutenue. Donc, je vous montre ce que ça donne. Voilà. Donc, vous voyez que là, vous avez une zone foncée qui s'éclaircit un petit peu. Donc, cela, c'est que j'ai fait les croix en un fil uniquement. Le parme à l'intérieur de la plume, là, c'est fait en un fil. Et j'étais en train de me dire que autant pour la composition de Pâques, là, je ferai le point arrière à la fin, autant là, je pense que je vais le faire au fur et à mesure. C'est-à-dire que là, j'ai déjà dessiné une partie de la plume. Je vais m'arranger pour que les points autour soient faits, puisque vous savez, quand on commence le point arrière, il faut que tout le point de croix de dessous soit fait. Donc je vais m'arranger pour que toute la bordure, tout l'entourage de la plume soit fait, et puis je pense que je vais commencer à faire du point arrière, pour vraiment voir ce que ça donne. Parce que là, j'arrive pas à bien me rendre compte. Autant la composition de Pâques, excusez-moi, je tape sur le bureau, j'arrive à me rendre compte que ce que ça donne, enfin ce que ça va être beau, hein. Autant ça, j'arrive pas encore bien à me rendre compte. Il y a moins de couleurs, mais je vous dis, Maria Brovko, sa force à elle, c'est vraiment le dessin au point arrière. Donc, je vais me lancer là-dedans cet après-midi. Voilà, une petite gorgée de café. Et puis avant de reprendre nos activités respectives, puisqu'on est déjà à presque 15 minutes de vidéo, je vais vous parler de ma lecture en cours. Enfin, je vais vous dire déjà que ça y est, je pense que la lecture revient. La lecture revient comme le plaisir qu'elle était avant et que mon Dieu, ça fait du bien. Alors je veux pas crier victoire tout de suite, mais quand même, les sensations que je ressens, ça ne se trompe pas. Donc, je pense avoir décoincé l'affaire avec L'aile des Vierges de Laurence Perrin. Alors, L'aile des Vierges de Laurence Perrin, c'est quelque chose que j'avais dans ma bibliothèque depuis un petit moment, que j'ai pris sans reconsulter la quatrième de couverture. Je ne sais pas, ça m'a appelé. C'est l'histoire. Alors, j'en suis pas très loin, hein, j'en suis à 115, à la page 115. Ce qui est bon signe, c'est que, un, je m'ennuie pas, et deux, mon esprit ne divague pas ailleurs. Bon, je vous dis pas que je lis 3 heures de suite, hein, mais voilà, ça a l'avantage d'avoir des chapitres courts, et ça, c'est intéressant, hein, pour qui veut reprendre un petit peu les lectures, etc., la lecture, etc.
Laurent, en commentaire de mon dernier podcast, m'avait conseillé aussi, pour remédier à la panne de lecture, de lire plus des nouvelles. Alors, j'ai pas beaucoup de recueils de nouvelles, mais effectivement, c'est une idée. C'est une idée aussi. J'en ai un ou deux, je verrai effectivement. Chapitre court aussi, ça aide. Bon, en gros, qu'est-ce que ça raconte? C'est l'histoire de Maggie. Maggie, elle est issue d'une lignée de... Sa grand-mère et sa mère étaient des féministes et des militantes. Elle se destinait à une carrière de médecin. Et la vie, on a décidé autrement, puisqu'elle s'est sacrifiée pour son mari, et qui est aujourd'hui mort, enfin à l'heure de cette histoire mort. On est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et donc Maggie, pour survivre, est obligée de prendre un emploi de femme de chambre dans un manoir du Kent, Shepherd House. Donc autant vous dire que le choc est rude entre les idées que lui ont inculquées sa grand-mère, sa mère, et tout ça, et ce qu'elle découvre dans ce manoir. Eh bien, ça ne correspond pas vraiment à ses convictions, mais elle n'a pas le choix. Elle a besoin de manger, elle a besoin d'un toit, elle a besoin d'un peu d'argent. Donc, elle va intégrer l'équipe de domestiques et l'aile des vierges, c'est les chambres des domestiques femmes. Voilà. Ça se lit très bien. C'est très bien écrit. Il y a des sujets qui sont poignants, hein, l'émancipation des femmes, la place des femmes, le consentement des femmes. Enfin, voilà. Il y a beaucoup de choses à dire dans ce livre. Voilà. Donc, écoutez, je suis quand même bien contente d'avoir remis le pied à l'étrier. Hein. C'est pas gagné d'avance, mais voilà. Après, il faut pas crier victoire trop vite. Donc voilà, courte vidéo. Moi, ça me fait du bien de venir vous voir, de parler un petit peu de tout et de rien. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si le cœur vous en dit, si vous avez envie de dire des choses, si vous avez envie de partager des choses, j'en sais rien, je sais pas. C'est un peu moins structuré que d'habitude. Ça ne l'était pas beaucoup, hein. Mais voilà, un peu plus dans l'instantané peut-être. Donc cet après-midi, je retourne à ma broderie. J'essaye de faire du point arrière pour voir vraiment ce que ça donne. Donc la prochaine pause que je prendrai avec vous, eh ben, je vous montrerai ce que comment ça a avancé et comment ça rend. Et puis ben, demain, un petit peu de travail quand même, pas beaucoup, mais un petit peu. Ça va être un petit peu plus chaotique. Et voilà. J'espère que vous avez passé un bon week-end du 1er mai, que vous avez pu profiter. Alors, je sais pas quel temps il fait chez vous, mais chez nous, c'est un peu gris. Mais j'espère quand même que vous avez passé un bon week-end prolongé pour ceux qui ne travaillaient pas. Et je vous remercie encore d'être là. Je vous remercie encore de vos messages de soutien, de bienveillance. Voilà. On vit dans un monde compliqué, hein? On vit dans un monde compliqué et je pense que les communautés comme la nôtre sont importantes pour aller de l'avant et puis profiter des petits instants de bonheur
que nous apporte le petit brin de muguet. Bon, sur cette note un petit peu poétique, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, selon le moment auquel vous regardez cette vidéo. Et puis, je vous dis à très vite.